verra 2023 comme une très bonne année de rupture, de redémarrage au niveau de la banque sur les activités commerciales. L'outil a été permis avec une très bonne stabilisation du système d'information. Je pense qu'aujourd'hui, les sujets de problèmes de qualité de service client ont été bien évacués. Ils sont derrière. Bien au contraire, on parle aujourd'hui d'un bon développement, notamment sur tout ce qui est canaux digitaux de services de clients à distance, le BMCI Connect, le e-banking pour entreprises. Donc ça, c'est pour asseoir une bonne qualité de service pour les clients. Mais 2023, on peut dire qu'on a été très satisfait comme première année de notre plan, avec une bonne progression du PNB, pratiquement à 13%, des encours qui sont bien orientés en matière d'évolution, en qualité et en quantité, et à des niveaux qui sont comparables, voire même supérieurs aux moyennes qui sont observées au niveau de la place bancaire, le tout dans la maîtrise des charges. Je pense que c'est un élément clé, et notamment chez nous, BMCI, qui avons un coefficient d'exploitation parmi les plus élevés au niveau de la place, mais sur lequel un grand travail de fond a été fait pour l'orienter à la baisse. On a gagné presque 400 points de base sur une année. Les efforts vont continuer pour assurer un développement de la banque, un coefficient d'exploitation bien orienté avec développement des revenus et maîtrise des charges.